Bonjour tout le monde, c'est encore moi-même Abraham L'Espérance et bienvenue sur Tech'e Plus. Nan tutorial jodi aki se 4e nan seri video sou Windows Server 2016 la, mwen pral montre nou ki jan pou nou installe World Server Kirele 4G. Windows Deployment Services ou bien WDS. Qui ça WDS là? Eh bien, WDS là ou bien Windows Deployment Services là, c'est un rôle qui tout inclut dans Windows Server. Donc, il n'y a pas de télécharger. Il tout inclut dans Windows Server et ça lui permet de faire, lui permet de déployer ou bien installer Windows Images sur un ordinateur ou bien un serveur neuf, qui peut gagner un lien sur le dit tout. Donc, dis disque du machine les vierges Et pour ça, le client Windows Deployment Service, Yo, ordinateur ça serveur qui tout neuf, doit être connecté sur le serveur WDS à partir de son réseau informatique. Et puis, il peut utiliser son Pixie Boot, qui écrit PXE, et puis Boot, pour recevoir l'image Windows Windows. Il faut que nous connaissions que avant, sur Windows Server 2000, WDS a été relayé RIS. RIS qui était dire Remote Installation Services. Mais à partir de Windows Server 2008, il a été upgrade et puis il a changé le relay WDS. Imaginez par exemple vous gagnez 40 ordinateurs tout neufs. Vous faites acheter et vous décidez de mettre Windows sous eux. Ou bien vous travaillez dans entreprise là, vous 40 ordinateurs supposé configurer donc vous pouvez le mettre système d'exploitation sous yo au lieu pour aller faire ordinateur ça yo une par une, pour l'installer Windows sous yo une paune ou capable utiliser Windows deployment service là WDS là pour configurer tout ensemble et pour faire ça Windows deployment service gagne une option qui relait multicast transmission donc au capable utiliser multicast transmission là ça permet le serveur WDS là voir une seule image par ordinateur mais en mode multicast, ça permet que 40 ordinateurs sérieux de recevoir parce que c'est vraiment compliqué pour voir 40 images, images 40 fois sur le réseau a, ça que tu sur le réseau a, et je moins sûr que c'est à peine 4 ou 5 dans cas ça que tu configurer mais avec l'option multicast transmission na, donc serveur WDS a image là. Une seule fois et il le voit par 40 ordinateurs Vous êtes capable d'utiliser WDS pour installer sortir Windows XP arriver dans Windows 10 donc Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 8.1 etc. Et pour serveur les mêmes, on capable installer sortir serveur 2003 arrivé dans serveur 2016. Donc 2003, 2008 2012, 2012, R2, etc. Et comme prérequis, WDS là, il faut que vous ayez un Active Directory Domain Services installé. Il faut que vous un DNS, bon, c'est évident de pour que vous ayez un Active Directory Domain Services ou un DNS forcément. Il faut que vous ayez un serveur DHCP parce que les machines vous le connectées sur réseau pour recevoir l'image là. Donc, il faut que le serveur soit d'abord une adresse IP. Et il faut que disque Dieu machine tout neuf il faut que l'on en NTFS. Et l'autre BAM le préciser, il faut que les ça, qui fait la configuration machine ça, il faut que le gagne droit d'administrateur sous domaine. Si vous suivez trois premiers tutoriels que nous faisons déjà dans la série de tutoriels sur Windows Server 2016, on va prendre en compte que nous répondons à toutes les ça. Nous gagnons un Active Directory Domain Service qui est installé avec tout DNS. Nous avons nou un serveur DHCP nou, et nous sommes toujours connectés généralement à l'administrateur. mode administrateur. Donc, nous sommes prêts pour commencer avec l'installation Wall Server WDS. Yeah. Pour nous faire ça, nous allons aller et nous cliquer sur Add Walls and Features. Pour nous connaître, généralement, nous allons nou aller dans Manage cliquer sur add Walls and Features. Mais comme ça tout, on a raccourci ça, l'option j'ai créé, on définit les Windows Server. Donc nous dégaine et raccourci ça là. Donc ouvre le caché les Hide, voilà. Mais ça fait parfois on voit qu'il paraît comme ça. Donc si euh, vous cliquez sur Local Server, Mais, vous êtes capable. Mais comme ça tout, vous allez à Dashboard et vous venez là, vous allez en View, vous dites Show Welcome Title. Voilà, il paraît. Donc, il y a une de c'est l'autre machine que je suis servie. Moi, j'utilise, je toujours sur la même machine qui était relée TPLab-DC-01. OK, donc je me non, on cliqué sur Add Wall and Features. On a fait suivant. On a fait suivant encore. Oui, c'est sur le serveur, ça m'a dit installer là. On fait suivant. Quand on descend jusqu'en bas, on a choisi Windows Deployment Services. On a cliqué sur lui. Et comme d'habitude, il y a un feature pour nous installer. Donc, on a dit, ajoutez un On Nous avons fait le suivant. Nous avons fait suivant. Et nous avons fait suivant. Et ça, pour nous connaître, c'est que les subdivisés qu a en deux. Et ou, des deployment server et transport server. monde qui se développé, il a besoin qu'on ait plus de détails sur ça, ça veut dire. Mais dans le cas de nous, là, nous pas besoin de ça, ça veut dire. Donc, vous pouvez prendre son boulot là après ça, chaque fois Voilà. Et puis, on a fait suivant, mais on a besoin d'installer tout de suite. On fait suivant. Et puis, comme d'habitude, checker box pour 6 machines dans les après installation. On a besoin de démarrer pour le démarrer pour le Donc, on a fait ça avec précaution. Yes. Et puis, on a cliqué sur installer. Et voilà, installation a commencé. Et voilà, là nous avons confirmation que l'installation est finie, avec succès, l'affaire fait close. Nous, si nous allons dans les outils, nous allons descendre là pour nous gagner Windows diplôme service là, qui est là, avant l'hypothèse là, mais qui est là, donc nous allons appliquer sur lui. Nous allons grandir ça pour une meilleure vue, voilà, et nous allons appliquer sur le serveur, nous allons gagner une notification sur lui, une warning, un avertissement. Ki di nou ki sa? Li di nou? Lè di di ke sou li? Ki sa li di nou? Li di nou? Windows Diplomat Service is not configured. Dok, nou finè sa li wò lan. Se vwe, mè, li pou konfigure. Donk, pou nou konfigure li, sa na fè? Na fè klik doa sou li la e na pplike sou konfigure server. Vola, na fè suivan. Oui, na pente gèli nan Active Directory yo. Là, c'est côté pour aller regarder l'image Windows U, côté pour installer. Si par exemple, vous créer une partition pour lui, spécialement, vous pouvez toujours aller dans Boa et là ça pour aller côté partition a, pour choisir. Li. Mais si vous pas de une partition, donc par exemple, dans la carte, dans la seule partition, vous avez créé un serveur, donc vous avez créé un C et vous avez installé le météo dans le folder que vous avez installé. Vous avez suivant. Voilà, là, vous avez dit que. C'est sous le même volume, le serveur installé, sous le même volume, ma a installé les. Donc généralement, ça n'a pas de problème de performance. Si, par exemple, nous une un gros, gros, gros en pile machine, on peut configurer ça, c'est évident. Donc, il est toujours préférable que tu aies préparé une partition spéciale pour, installe, pour déposer l'image. Mais on n'a pas de connaissances de la partition gain. Donc, nous pas dit, pas de problème, on continue. On fait « Yes ». Nous avons dit, suivant. Ça vous connaît qu'on a là demandé nous pouvons choisir. Est-ce que faut, qu faut répondre à n'importe machine qui t'a demandé serveur pour démarrer connait là parce que ça qui passer. Pas oublier que nous finc installer là une pour fin d'installation. Donc ça nous qu'a dit lui pour ko répondre à la machine donc, nous. Comme ça répondre seulement à la machine que les connaît donc la machine qui est déjà sous domaine Ou bien nous qu'a qu répondre à tout client toute machine qui est demandé. Donc, nous avons fait ça. Mais si vous, même, par exemple, vous connaissez ça, vous pouvez finir avec l'installation pour là. Donc, vous pouvez dire que vous pouvez répondre. Mais si vous pour que vous répondre par la suite, il faut changer l'option, vous pouvez configurer pour dire que vous répondre à toute machine. Donc, nous avons dit oui. Et nous avons demandé oui, il faut gagner l'autorisation à l'administrateur Et puis, nous cliqué sur Continuer. Et voilà, la configuration est avons cliqué sur Finir. Et que celui-là n'a pas start. On a cassé le service là. Et voilà que okay. installer ma image est là généralement toute ma installation Windows pour aller pour, aller, pour, aller, pour aller déposer. Boot, c'est pour boot côté image boot. C'est là où elle est. Pending device, donc c'est de divers qui est en attente. Il me dépare toute de multicast transmission, donc ça c'est l'option là Driver, c'est ce qui est un driver spécial vous l'installer pour imageur, On l'a fait installer l'installer donc il y a un driver qui peut tout installer sur la machine Donc ça c'est le driver qui venir déposer Donc là, le serveur WDS non opérationnel Et nous allons le faire pour mes voir qui c'est qui ça installer et en boot image Pour nous faire ça, moi d'abord ça moi je fais, je nous Ça moi je fais, je regarde là, je ajouter image

et généralement c'est deux fichiers ça. c'est pour install, image installation. Ça c'est image boot. Là, on tire sous ça, on fait open. Parce que vous regardez emballé, tu déjà ça que généralement, il y toujours à dans le folder qui est les source là. Et si nous venir là. Oui, on regarde. Là nous en train dans folder qui les sources là. Theme taper point wimbo non. Voilà, nous voyons deux là c'est le folder source là. Donc, pas de problème. on va fermer ça. On a fait suivant là, l image là. Donc, c'est Windows 7. Donc, nos cartouches balines, Windows 7 Pro. Oui, c'est X64, mais ça que tu 64 bits, c'est pas grave. ben, mettez le mais souffle au qui télé. 7 si vous gagnez 32 bits ou 64 bits, donc a tout préférés pour me préciser qui est ce qui est 64 bits, qui est ce qui est 32 bits. Nous fait suivant et voilà, nous fait suivant et là automatiquement il ajoute les boot là dans le folder. Voilà, mais il a là y et nous voit comment Windows et le tout du cache est Voilà. Quand nous installons une image là, donc faut que nous installions qui ça, nous allons installer une installation image. Installation. On a fait clic droit, on a dit install image. Mais ça, nous connaissez que nous cartons joue ajouter un groupe image qui a plusieurs Windows là-dedans. Donc là, ça c'est notre d'abord créé les. Donc nous allons les Windows 7 Pro images. Si je me installer l'image, je vais poser une question en haut. Je vais me de Mais si je me je vais cliquer sur Installer l'image. Donc, je vais me je vais choisir qui est Mais si je créer je vais déballer nom. Par exemple, si je veux ça me le nom, je vais le nom. Donc, comme je je vais on installe l'email là, on voit les mêmes gens, côté le DIA, on a un point. De point oui. pas là, on a un point boot WIM, c'est parce qu'on a tapé sur l'image boot là, qu'on a c'est image installation on clique sur installer WIM. Oui. Et puis, on fait open. C'est toujours suivant. Voilà, là, on a met tout ça qui vient sur ce sur En fait, sur so image ça, pardon. On a Windows 7 Home Basic. Nous avons Windows 7 Home Premium, nous avons Windows 7 Professionnel, nous avons Windows 7 Ultimate. Donc c'est vous même qui est dans tout ça où, qui est sous besoin. Sous pas besoin basic et Home Premium non, vous devez le checker. Et le sable qui est professionnel là, c'est Ultimate là seulement. Mais si vous voulez tout, vous checker tout. Dans le cas ça, je vais juste prendre deux salles, Ultimate Professionnel, je vais faire suivant. Et voilà, là qui confirme, je vais, vais, vais dit oui, je fait suivant. Et là, la vérifier que ces sous n'a pas corrompu, etc. Ensuite, la va ajouter les. Contrairement avec image bootlan, image installation apprend plus tard parce que book est plus lourd. Et voilà, là nous commençons avec installer image Windows 7 professionnel là. Par la suite, pour lui ajouter image Windows 7 Ultimate là. Donc là c'est serveur WDS ou à préparer. Comme ça, les machines connectées sur le réseau et que la boot, parce que nous connaissons une machine qui a boot sur le réseau, donc la boot sur le réseau à l'aide de Pixie Boot. La il a WDS, mais toutes les euh, images que vous avez, par exemple si vous avez une image, gagne XP, vous avez 7, ou gagne Vista, ou gagne 8, ou gagne 8.1, vous avez serveur 2003, vous avez serveur 2008, vous avez serveur 2002, vous avez serveur 2016. Donc... Dou vede ap di mwen tout imaj mwen genyen ki es nan yo ou vle installe. E wala, voilà, la li finaj fote li. Nou fe, finish. Te finish. Wala, voilà, nou gen dwe imaj mwen wè ki la. Kou yon sa nou brel fe? Nap vini, na, nap mini map me soti an bod plen de kan pou mwote nou baray. Mwen genyen, machin za a.

moité ajouté ajouter VMnet 2, ça, adapter ça. C'est lui même que ce domaine. Donc, machine, ça m'a seulement dit voilà. Je changeais, il était sous NAT, je dit non, je Utilise, vais utiliser Costum, dit dis VNet 2. Ça, ça permet que, les vient sous le même domaine avec le serveur. Donc, le serveur de HCP à IP, la poêle, et le serveur à IP. Donc, on fait OK. Quand on va cliquer sur Démarrer. Mais ça, vous connaît. L'offre sur démarrer, il de demander pour peser F12. Si vous avez F12, il pas de bout de réseau. Donc, si vous avez on vous faites ça, vous faites ça. Ok, on va cliquer sur. Nous calons en mode plein écran. On va cliquer sur Power One Virtual Machine. Voilà. Wala, voilà, peze F12, dok mwen peze F12. Noue, dok pixi wom, dok noue pixi bout nan komanse. Bat getan peze lata. Donk, nan euh, pou komanse. Donc nous voilà en mode plein écran. On a cliqué sur Power on virtual machine et voilà là la pesé F12, on a par exemple c'est bout Wim, les load d'abord, ensuite pour les load image là. Donc, on a pas marqué par exemple F12, là, faut que vous ayez un peu de lien avant, vous pas un peu de avant, vous dites oui, boot, ou network là, le ça. l'IPAP, prends-le, la boîte, oui, mais ça, c'est refaire mes machine là, redémarrer mes machine là, et puis peser F12, là, attends. Voilà, là, voilà, on a pas marqué cependant, bon, on a pas marqué NMI, ça s'est différent. On a marqué Windows, Deployment Service, donc WDS, ça s'est marqué là, nous fait suivant. On a pas marqué par exemple les là. User utilisateur qui peut qui gain droit administrateur qui gaine privilège administrateur. l'idée d'abord comment on lui entrer lui. Domaine backslash non utilisateur. Donc domaine et les TP lab backslash administrateur et mot de passe donc mot de passe domaine Ok et voilà. N'abgade là deux boot nous avons en fait deux images. Nous avons ajouté de deux images. Nous avons ajouté images. Image 7 Ultimate et 7 Professionnel. Là. Donc, c'est au même là que nous avons si ajouté statue avec Basic. Là, nous avons gagné tout. Donc, là, nous seulement cliquer sur Suivant et là, ça, l'installation a continuer Donc, dans le cas de ça, nous n'avons pas besoin de faire ça, besoin de montrer comment ça va passer. Donc, là, nous avons fini l'installation continue jusqu'à ce qu'elle finisse sans problème. Nous avons installé VMware Tools, si vous voulez que je vous conseille de vous installer parce que c'est ce qui permet de copier un fichier de la machine -mère là à machine virtuelle. Là. Ok, nous tourné sur notre serveur, nous. donc nous confirmer que le serveur WDS est fonctionnel. Maintenant, si nous venons dans le serveur, nous faisons propriété et puis nous cliquons sur Active Directory Domain Services. Service. Là, si nous décidons décider qui a pas d'ordinateur, par exemple, l'ordinateur doit dire que la machine est supposée être relée et TP pour Plus dash et puis numéro machine. Premier c'est TP dash 1, TP dash 2 ou bien TP dash PC dash et puis numéro. Là on va mettre... machine à les TP dash PC plus numéro qui machine TP dash 1. En fait tp-pc1, tp-pc2 jusqu'à par exemple 40 machines. Tu as besoin de configurer. Ok? Donc, c'est là que nous faisons tout le changement. Donc, l'important, important. Non, on pas besoin de. Cancel. Mais de tourner là. Propriété. Donc, l'important important pour nous passer à travers le menu. Pour nous garder. Tout à l'heure, nous installer là. Si nous allons cliquer, si cliquer, do notre respond to any client computers. Donc, après installation, nous tapons pour nous cliquer, respond to all client computers appliquer ça, une fait appliquer. Voilà. Donc, passez à travers le menu ça. gardez ça au chaque est, qui ça au chaque yé là dans le, Pour nous finir avec configuration Windows Server WDS, nous, et j'en ai même nous là. Ok. Je vous tout le monde merci pour l'attention. Je vous nous pour nous abonner à la ça pour nous connaître un tutoriel. Et bien, je vous à très bientôt. Bye bye tout le monde.